Wow. Today is another day. Aujourd'hui est un autre jour. The day the Lord has made. Le jour que le Seigneur a fait. We will rejoice and be glad. Et nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. All the good things of God. Toutes les bonnes choses de Dieu. What heaven has in stock. Ce que les cieux ont en réserve. Will be released unto us this month. Seront relâchés envers nous cette semaine. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I welcome you again to this platform. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur cette plateforme dans le nom de Jésus. I hope you sleep well. J'espère que vous avez bien dormi. Keep smiling. Continuez de sourire. Jesus loves you. Jésus vous aime. God has reserved good things for you. Dieu a réservé de bonnes choses pour the Bible vous. Says, eyes have not seen. La Bible dit ce que les yeux n'ont pas vu, ears have not heard. Ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. God has made ce que Dieu a apprêté pour ceux qui l'aime. There is a reserve waiting for you. Il y a une réserve apprêtée pour toi. And you will get it this week. Et tu vas l'obtenir cette semaine. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen, and amen, amen et amen. I want you to like our Facebook. J'aimerais que tu aimes notre page Facebook. And share to your friends. Que tu la partages à tes amis. And also subscribe to our YouTube. Et tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube. And the Lord will bless you. Et le Seigneur te bénira. The number on the screen. Le numéro qui s'affiche sur l'écran. It's our WhatsApp number. C'est notre numéro WhatsApp. You can write us, vous pouvez nous écrire, share your requests, partager vos requêtes, also share testimony, et partager vos témoignages. And whatever you want us to know, et ce que vous souhaiterez nous faire connaître, please do it and go. S'il vous plaît, faites-le et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, prions Père Céleste. We thank you for this week. Nous te remercions pour cette semaine. We thank you for this morning. Nous te remercions pour ce matin. You that have given us life, toi qui nous donnes la vie, you will also give us every good thing. Tu vas aussi nous donner toute bonne chose. Because you have promised your word. Parce que tu as promis dans ta parole that you give us grace. Que tu nous donneras la grâce. You give us glory. Que tu nous donneras la gloire. And there's no good thing we will hold from us. Et il n'y a rien de bon que tu vas retenir de because nous. You're a covenant keeper. Parce que tu es un gardien d'alliance. Je te demande de faire ce matin exceedingly abondamment above what we're going to au-delà think de ce que nous pouvons penser et demander through the power that work in au us. Travers de la puissance qui œuvre en nous. Lead us to prepare blessings. Conduis-nous aux bénédictions préparées cette semaine. Saint-Esprit, guide nos pas. For the footsteps of the righteous. Car les pas du juste are ordered by you. Sont coordonnés par order toi. Our footsteps. Alors conduis, ordonne nos pas here cette semaine, spirit, cher Saint-Esprit. Give us divine inspiration. Donne-nous une inspiration divine, divine direction, une direction divine, and make us to be sensitive et rends-nous sensibles à ta voix. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Men and women, des hommes et des femmes. That you have placed on our way, que tu as placé sur notre chemin to be a blessing to pour us, être une bénédiction pour we nous never miss them, que nous ne les ratons pas in the name of our Lord, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Let the heaven over our life open, que les cieux sur nos vies soient ouverts. Surround us with your favor, entoure-nous de ta faveur comme d'un bouclier. Que nos sorties et nos rentrées soient bénies cette ce matin. Que l'œuvre de nos mains prospère. We declare and nous déclarons et établissons that we'll be the head and not que the nous serons la tête et non la queue. In the name of au nom de Jésus, les flèches qui volent en plein jour ne nous toucheront pas. Et les flèches aussi qui volent de nuit ne nous toucheront pas. 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais ils ne nous approcheront pas. Seulement de nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Dans le nom de Jésus, aucune arme forgée contre nous ce matin, aujourd'hui, ne va prospérer. Et toute langue qui se lèvera contre nous, nous les condamnons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Père. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Amen and amen. Amen et amen. Now this week we are praying on it is time for restoration. Alors cette semaine nous prions sur le thème c'est le temps de la restauration. Amen. Amen. And today, et aujourd'hui, we are going to do general warfare. Nous allons faire un combat spirituel général for restoration. Pour la restauration. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You're going to say with me,
Tu vas dire avec moi, Père, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, en ouvrant ma bouche morning, ce matin, remplis ma bouche in the name of Jesus, au nom de Jésus. Bad, tout ce que je vais lier, bad, que cela soit lié, que tout ce que je vais délier soit délié, que tout ce que je vais décréter, que cela soit établi dans le nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus, au nom de Jésus. You're going to pray this way. Tu vas prier de cette manière. Father, in the name of Jesus, dis, Père, dans le nom de Jésus, I thank you for restoration, je te remercie pour la restauration of my past glory, de ma gloire passée. In the name of Jesus, au nom de Jésus, my God and my Father, mon Dieu et mon Père, I ask you to restore, je te demande de restaurer my past glory, ma gloire passée. In the name of au Lord nom Jesus, de notre Seigneur Jésus. Oh, Lord, oh Dieu, release unto me, relâche sur moi today, à partir de la restauration de tous côtés dans tous les domaines de ma vie. Today, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne tout esprit méchant, forces of that, les forces des ténèbres that organize, qui a organisé to manipulate my destiny, de pour manipuler ma destinée, ma gloire et mon étoile. I command them to je les ordonne de se disperser dans le nom de notre I Seigneur paralyze today, je paralyse aujourd'hui activity, toute activité des parasites spirituels, les dévoreurs opérant dans ma vie, my family, depuis ma famille, nation, depuis ma nation, je les détruis dans le nom de Jésus. Puissance qui me renie mon miracle, recevez les pierres de feu maintenant dans le nom de notre Seigneur Jésus. Des pierres de feu, je relâche les pierres de feu, les pierres de feu, je recouvre toutes mes bénédictions qui étaient perdues depuis la main de l'ennemi. Je les reprends dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je lis et je détruis l'esprit de stagnation, de frustration, de désillusion, et je vous détruis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oh Dieu mon Père, oh Dieu mon Père, repars dans tous les domaines de ma vie, partout où j'ai besoin de réparation, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Répare, oh Dieu, répare, oh Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ordonne à tout dommage qui a été fait dans ma vie, dans ma famille, par l'ennemi, d'être réparé et d'être restauré dans le nom de Jésus. Tout sorcier, toute sorcière qui se nourrit de quelconque domaine de ma vie, je vous ordonne d'être rôti, brûlé par le feu dans le nom de Jésus. Oh feu de Dieu, feu de Dieu, consume tout œil qui téléguide, mes finances, ma santé, mon mariage, mon avenir, ma destinée, dans le nom de Jésus. Ma vie sera fructueuse et je vais prospérer dans le nom de Jésus. J'ordonne à toutes les portes de bonnes choses que l'ennemi avait fermées dans ma vie de s'ouvrir. Maintenant, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ce matin, je vous ordonne, ouvrez-vous dans le nom de Jésus. Je résiste et je rejette l'esprit d'impossibilité. J'ordonne aux portes de s'ouvrir et je décrète la restauration au septuple dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, j'ordonne la restauration au septuple. Car la Bible dit dans Proverbes chapitre 6, versets 30 et 31, que si l'ennemi a attrapé, il va restaurer cette fois ce qu'il a volé. Vous avez avalé des richesses, je vous ordonne de les fournir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, je rejette tout esprit de confusion dans ma vie, dans le nom de Jésus. Mon Dieu et mon Père, fais de ma vie un miracle. Fais de ma vie un miracle. Fais en sorte que toute situation
situation dans ma vie devienne un témoignage, devienne une solution dans le nom de Jésus. Tout table ou tout problème, tout table de problème planté dans ma vie, recevez la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 13, que tout a planté qui n'a pas été planté par mon Père céleste sera déraciné. Je déracine depuis la racine toute racine de problème, toute racine de problème au nom de Jésus. Toute parole spirituelle, tout mur spirituel que l'ennemi a placé comme opposition contre ma vie, je vous renverse. Je vous renverse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous renverse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ô vous roi qui régnez dans ma vie, je vous ordonne de vous disperser maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Toute incantation, toute malédiction placée sur ma vie par des décrets maléfiques, des décrets injustes, je les détruis dans le nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'annule tout effet des aides étranges. Je les détruis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ô Dieu mon Père, guéris-moi et je serai guéri dans tous les domaines de ma vie qui a besoin de guérison. Seigneur, guéris-moi, guéris mes finances, guéris mon mariage et guéris mon cerveau, guéris mes yeux, guéris mon corps, guéris mes affaires, guéris tout ce qui me concerne dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ordonne aujourd'hui tout don en moi qui était mort de commencer à se manifester et de commencer à opérer dans le nom de Jésus. Je rejette et je résiste avec passion à tout esprit de pauvreté, de lutte, de forteresse, de manque dans ma vie dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous détruis, esprit de pauvreté, et je vous ordonne de sortir de ma vie, car Jésus s'est fait pauvre afin que je sois riche. Tu ne peux pas te tenir, vous ne pouvez pas me retenir. J'ordonne la prospérité, la prospérité spirituelle, mentale, financière, matérielle, de commencer à se manifester maritalement, de commencer à se manifester dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oh Dieu mon Père, par ta puissance de restauration, donne-moi un nouveau commencement, un commencement frais à partir de aujourd'hui. Oh Dieu mon Père, fais de ma vie un miracle qui va glorifier ton nom. Que tout ce que je vais entreprendre, que cela prospère dans le nom de notre Seigneur Jésus. Là où ma vie a été un sujet de moquerie, il y a la célébration dans le nom de notre Seigneur Jésus. Là où les portes ont été fermées dans ma vie ce matin, que les portes s'ouvrent. Les hommes qui ont fui de moi, que soient restaurés les relations dans ma famille qui étaient brisées, qu'elles soient restaurées les relations dans la famille du peuple de Dieu, qu'elles soient restaurées. Seigneur mon Dieu, donne-moi le cœur des hommes, car ta parole dit dans Proverbe 21 verset 1 que le cœur du roi est entre tes mains comme un courant d'eau, et tu l'inclines là où tu veux. Incline le cœur des hommes à ma faveur à partir d'aujourd'hui. J'ordonne la restauration dans tous les domaines de ma vie dans le nom de Jésus. Je vais accomplir ma destinée. Je vais accomplir ma destinée. Je vais vivre, je ne mourrai pas. Je vais me réjouir des bontés de Dieu et tout ce qui a quitté la
main de Dieu sera ma portion. Oh Dieu, Seigneur, donne-moi de bonnes nouvelles cette semaine. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Proverbe 25, verset 25. Il dit, telle l'eau est pour l'âme. So is good news for me, Father. Ainsi est une bonne nouvelle qui vient de loin. Je relâche des bonnes nouvelles de loin that will make me glad. Qui va me réjouir dans le nom de notre Seigneur Father, Jésus. Père, before 12 noon today, avant midi aujourd'hui, give me a mighty miracle. Donne-moi un puissant miracle. Fais de grandes choses dans ma vie that will make me know that you are a living qui va faire en sorte que je sache que tu es un Dieu vivant, qui va mettre la thank joie dans mon Father, cœur. Merci Père d'avoir répondu à mes prières. So you alone be the à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur pour les grandes et puissantes choses because que tu fais. Parce que tu as dit dans ta parole avant que je n'ai fini de prier que tu m'as déjà répondu. Ça c'est l'assurance que j'ai en toi. Tu es un gardien de l'alliance. Tu ne mens jamais, tu ne changes jamais. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un gardien de l'alliance. Merci Seigneur d'avoir répondu à ces prières. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et amen. J'espère que vous êtes bénis. Le Seigneur va restaurer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We continue tomorrow. On va continuer demain. Make sure you invite your friends. Rassurez-vous d'inviter vos amis. Et si vous avez des témoignages, share with s'il us. Vous plaît, partagez-les avec nous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Have a great day. Passez une excellente journée. In Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.